Monsieur Cherki, bonsoir. Une petite réaction à la démission du gouvernement de Monsieur Hérault? C'était une démission qui était dans l'ordre des choses. Quand vous subissez une défaite de cette ampleur, il est d'usage dans notre République que le chef du gouvernement remette sa démission. Après, le président l'accepte ou pas, il l'a accepté. Et la nomination de Monsieur Valls? C'est un choix très surprenant. Je ne pense pas que les électeurs nous aient demandé un coup de barre à droite. Marine Le Pen dit que Monsieur Valls est quelqu'un de dangereux. Ah non, il n'est pas dangereux, c'est pas la question, c'est pas cette caractérisation, mais dans l'espace politique et symbolique de la gauche, Manuel Valls incarne vraiment un pan très, très particulier. D'ailleurs, il a eu l'honnêteté, quand il s'est présenté aux primaires, de défendre une ligne politique qui d'ailleurs n'a recueilli que 6% des voix, et qui était plus proche du blairisme que des traditions socialistes.